Bonjour, voisin, petit tutoriel pour montrer comment on peut faire la saisie de données via le Bluetooth du Microbit en utilisant un Chromebook. Pour ça, on va avoir besoin de l'application physique d'installer sur le Chromebook. Pour ce qui est de télécharger le programme, idéalement, je vous propose d'avoir votre Microbit branché via un câble USB et d'utiliser l'application en ligne, donc mes codes en ligne et non l'application directement sur le Chromebook parce que c'est difficile de transférer via USB le programme vers le Microbit. Donc pour faire votre programme, vous allez avoir besoin d'aller chercher une extension. Donc on va venir dans Extension, on va marquer Bluetooth. Donc l'extension Bluetooth ici. On va supprimer effectivement la connexion radio parce que c'est la même antenne qui est utilisée. Dans la partie Bluetooth, on va aller dans la section Plus pour commencer. On va aller activer le service Bluetooth. Moi, pour être sûr que le service est activé, je vais venir placer avant. J'ai essayé de le placer après, puis ça, moi, ça ne me donnait pas des bons résultats. Donc, un crochet. Ensuite de ça, on va activer le service UART, comme ça je vais pouvoir avoir un indice justement que le service est bien activé. Par la suite, dans la boucle toujours, on va venir dans Bluetooth, dans plus, on va venir chercher, écrire la valeur X, donc nous autres, ça va être température. Pas d'accent, parce qu'il est capable de reconnaître là, certains mots puis de mettre les icônes à l'intérieur de l'application physique. Et je vais venir chercher la température dans mes blocs pour le placer. Puis ensuite de ça, ben, je vais mettre une pause pour dire qu'on va faire ça à toutes les 500 millisecondes. Finalement, on va aller dans la section Bluetooth, en cas de connexion. On va faire afficher des symboles s'il se connecte et s'il se déconnecte. Et le symbole qu'on va venir placer, je vais venir placer un petit bonhomme sourire lorsqu'il va être connecté. Et dans l'autre, je vais venir placer un X s'il est déconnecté. Donc voici le programme. On va télécharger le programme via le câble USB sur le Microbit. Une fois le programme téléchargé, on va pouvoir aller ouvrir l'application physique. On va aller choisir capteur externe. Donc, si vous ne voyez pas le microbit dans vos choix, on va réessayer. Donc, le microbit vient d'apparaître ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste pesé sur le reset sur ma platine. On va aller peser sur connect. Vous allez pouvoir avoir sur température ou des fois, ça va être marqué UART, dépendant de ce que vous voulez avoir. Et on va être capable de venir dans l'application physique enregistrer les données. Une fois qu'on va avoir terminé d'enregistrer nos données, on va pouvoir venir exporter, donc dans l'icône qui est ici en haut, en format CSV. Donc là, on peut dire si on veut des virgules ou des points. Et on va tout simplement sauvegarder dans nos fichiers. Dans l'éventualité, je vais juste revenir en arrière. Dans l'éventualité, si je retourne sur mesure, désolé. Si vous ne voyez pas le petit paramètre ici apparaître température ou peu importe la valeur que vous allez avoir, le UART, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller. Je vais juste me déconnecter pour l'instant.
Donc, on va aller ouvrir l'application Microbit pour aller faire reconnaître la connexion Bluetooth. Donc, on va tout simplement dans l'application peser sur pairer. On va suivre le processus tout dépendant si vous avez un V2 ou un V1 pour y arriver. Donc, je vais rentrer le code de mon Microbit. On va passer sur OK. On va fermer l'application. Parfois, vous allez pouvoir directement, comme moi, si je recommence, puis je vais réfléchir. Donc, vous remarquez, il va se connecter, puis j'ai rien ici. Donc, si vous n'avez rien, la façon de procéder, c'est de retourner dans vos paramètres Bluetooth. Et moi, de mon côté, je dois faire retirer cet appareil Bluetooth-là. Une fois qu'il est retiré, je vais pouvoir retourner dans mes capteurs. Je vais rafraîchir. Je vais aller me connecter. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir votre capture qui va se faire. Donc, c'est la procédure que je vous recommande. Elle ne fonctionne pas toujours à 100%. On a eu des problèmes avec le processus. Mais c'est quand même un outil qui peut être utile là, pour faire la captation de données via le Bluetooth. Moi, avec mon compo, je n'ai pas réussi à faire la captation de deux données simultanément, mais un collègue a réussi avec son Chromebook à faire deux données température puis intensité lumineuse. Il y avait deux données qui pouvaient rentrer là, à l'intérieur de l'application physique. Donc, je n'ai pas d'explication pourquoi moi ça ne fonctionne pas et lui ça fonctionne, mais c'est ce qu'on a eu comme résultat. Donc, bonne expérimentation avec cette fonctionnalité-là là, de physique pour permettre justement d'aller chercher des données à l'aide du Bluetooth et du Microbit.